ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Mr. Flamingo et bienvenue pour cette vidéo découverte ou voire première partie d'un let's play sur Resident Evil 3 Remake. J'ai vraiment hâte d'y jouer. J'ai jamais joué à l'original de Resident Evil 3. Donc on va aller dans nouvelle partie. On va aller mettre ça en... Attends. Vous bénéficiez d'une aide pour viser, vous récupérez une certaine quantité de vie automatiquement, les ennemis sont un peu plus faibles, vous commencez le jeu avec un fusil d'assaut, vous obtenez plus de munitions lorsque vous en fabriquez. Je vais prendre facile, définitivement, parce que je suis une hostie de moment quand il s'agit de jeux d'horreur. Ben, c'est du live action, ça? Cette épidémie se propage à une vitesse encore jamais vue dans notre histoire. Oui, du live action. Les autorités se préparent pour plus d'émeutes ce soir. Ils assistent à des incendies, des affrontements. On l'a retrouvé, le visage complètement défiguré. L'état d'urgence a été déclaré dans toute la ville. Le CDC place en quarantaine une partie du Midwest des États-Unis. Honnêteté et intégrité. Telles sont les valeurs essentielles qui constituent le ciment d'Umbrella Corporation. Ce sont ces valeurs qui contribuent à construire un avenir meilleur pour chacun d'entre nous. Je sais pas quoi m'attendre, pas en tout. Ok, fait que là, j'imagine qu'on est... Attends, c'est Jill Valentine, il me semble qu'on joue dans celui-là. C'est-tu ça? Attends, c'est moi qui joue? Je suis en mode première personne, en plus! C'est bizarre que là, on soit en première personne, par contre. Attends, c'est quoi que je dois faire, là? J'aime pas trop comment ça sonne. Attends, je suis Jill ou je suis une autre personne? Ok, fait que sinon j'étais pas Jill. Ah, moi c'était un cauchemar. Ah, non, j'étais Jill, mais dans un cauchemar. Oh, les cauchemars empirent. No shit. Trois jours. Et tu as dû à cette ville. Encore? Ok, fait que là je suis en troisième personne, ok. Allô? Jill, est-ce que ça va? Brad, c'est toi? Écoute, sors vite de chez toi! Qu'est-ce que tu racontes? Pas le temps de t'expliquer! Va-t'en de chez toi!
tout de suite. Ok, je me prépare et je... Zoinks. Ah, ça commence rough, hein? Ça bouge que je suis. Chris, je vois fuck all, là, man. Il faut que j'en remette la luminosité, là. Je vois rien. Bon, là, je vais-tu voir de quoi, ou... Tu me niaises! Pourquoi il y en a après moi? C'est aussi intense que David Willian, man! Est-ce pas que je vais pouvoir relaxer un petit peu? Je suis cardiaque, bordel! Le veil est difficile. Et je suis échappé de l'immeuble de Jill. Par ici! Brad! Ça va? C'était quoi ça? J'en ai aucune idée. Mais il a une dent contre les deux membres du Stars encore en ville. Toi et moi. Je vais pas moisir J. T'as vu ce bordel? Si on reste là, je donne pas cher de notre peau. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que les emmerdes n'arrivent jamais seules. J'ai comme Harkley. Et en pire. C'est pas assez là tout ça. La porte derrière, vite! Check le nombre de munitions, parfait. Oh, tabarnak. Merde, merde, je vais fuir. Thank you.
parking n'est pas loin. Je peux vous y emmener. Le seul lieu sûr, c'est là-dedans. Un vieux sénile, hein. Deux balles, comment je vais faire? Oh shit! Oh shit! Oh tabarnak! Merde! C'est stressant. Qu'est-ce que je fais avec un pistolet vide? Tu me parles d'une chance, hein? T'es mort, bordel! Tu vas voir ta gueule, enfoiré! Avouez des places! Mon héros, il sait que je te frenche. Tout va bien, je suis là. Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites? Moi, c'est Carlos. Je viens te sauver. Allez, on va se mettre à l'abri. Pourquoi t'as laissé tomber ton lance-roquette? On est en sécurité. J'espère. C'est là qu'on groupe les survivants. Où ça, là? Les gars ont converti des rames de métro en abri. C'est bon. Vous en espace, hein? Bon, j'ai compris. Allez. Ah, c'est pas vrai. Quel est le connard qui a fermé ça? Désolé, on va devoir faire le tour. Ok. Qu'est-ce que tu sais sur ce monstre? Rien. J'ai jamais rien vu de semblable. Mais c'est pas un zombie. Il sait ce qu'il veut et il fera tout pour l'obtenir. T'aimes pas ce genre de mec? Non, merci. Je te laisse. Ah. Écoute, avec moi, tout va bien se passer. Je suis de l'UBCS, le groupe de lutte contre les menaces biologiques d'Umbrella. Tu te fous de moi? C'est une blague, c'est ça? C'est vous qui avez causé tout ça? Du calme, qu'est-ce que tu racontes? Écoute, t'es pas obligé de me croire. Et moi, je vais à l'abri. Viens. Allez, c'est par là. Qu'est-ce que c'est pour esquiver? Ça, c'est pour viser. J'ai pas un bouton pour... Ah, c'est... Ok. Attends, quoi? J'avais ça tout ce temps-là!
équipé. Je vais mettre ça là. J'avais ça tout ce temps-là, puis j'étais pas au courant. Le paradis Terminator. D'Alien. C'est drôle, ça. Capitaine. Cette charmante demoiselle a besoin de nous. Carlos. T'as même pas demandé son nom à cette charmante demoiselle. Il s'agit d'un agent d'élite des forces spéciales de la police de Raccoon, de Stars. Son nom, c'est quelque chose comme Valentine. C'est Jill. Ravi de te rencontrer, Jill. Je suis Michael Victor, chef de peloton de l'UBCS. Mon équipe a été envoyée ici pour secourir les civils. Je vois. Et comment ça se passe? La ville est complètement coupée du monde, isolée. La grande majorité des 100 000 citoyens de la ville vont mourir. Enfin, façon de parler. Mon peloton a essuyé de sérieuses pertes. Garantir leur survie est au-dessus de mes moyens désormais. Bon ben, vous pouvez remercier votre employeur pour ça. Ouais. Eh bien, on fait tout ce qu'on peut ici. Si on réussissait à faire démarrer ce train, on pourrait évacuer quelques survivants. Et on a besoin d'aide. Les hommes n'y arriveront pas tout seuls. Très bien. J'en suis. Je fais ça pour eux, pas pour vous. Eh hey, oh, on veut tous la même chose. Merci, Jill. Bon, super flic. Prends ça. On servira à rester en contact. Je sais ce que c'est, Toki. Bon, faut pas perdre de temps. Va falloir t'équiper. Dirige-toi vers la sortie. Tu trouveras du matériel. Ok. Ok, parfait, document. Ok, je vais juste checker la carte pour commencer, ça va être pratique. Porte verrouillée. Ok, il faut que j'aille ici. Comme mon objectif, remonter à la surface. Ah. On va rester sur nos gardes. Si tu veux, je remonte à la surface, pas par là. C'est pratique. Je peux-tu aller là, voir s'il y a d'autres affaires? Ah, c'est la même porte d'où j'arrive. Ça, c'est quoi? Page de tabloïd. Ok. Je lirai pas tout ça non plus, je vais vous faire chier, puis je vais pas vous faire chier non plus. Lecture, c'est pas vraiment mon fort s'il n'y a pas de dessin. Jill, c'est Carlos. Est sorti de la station? Presque. C'est quoi le plan, alors? Le vieux m'a chargé de déblayer les voies. Est-ce que tu veux bien remettre le système du métro en route? Et comment je fais ça? D'abord, il faut rétablir le courant. Je te guiderai vers la sous-station une fois que tu seras dans la rue principale. Compris. Je me dépêche. Ok, j'ai un couteau. Fait que ça,
raccourci, on va mettre ça ici, ça va toujours être pratique. Oh, plante rouge, parfait. Ouais. Poudre noire, parfait. Poudre noire également, de l'herbe verte. Ah, ça fait du bien de rejouer Resident Evil, ça fait longtemps. Je vais carrément sauvegarder. Puis je pense qu'on va arrêter ça ici pour cette première vidéo sur Resident Evil 3, parce que non seulement c'est une vidéo découverte, mais aussi je veux savoir si vous êtes intéressé à voir à ce que je fasse des suites en vidéo. Donc, si cette vidéo vous a plu, ben n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine, normalement. Sur ce, c'était Mr. Flamingo, et je vous dis à bientôt. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner sacrément?